Je vous ai préparé une séance pour les pectoraux, pour les triceps et aussi pour vos cuisses. Vous êtes prêts? Je mets un peu plus fort la musique et on va commencer à s'échauffer. Allez, on marche. Prenez vraiment un espace suffisant. On tape devant. Hop, hop, tape, tape encore. Balancez un peu vos bras d'avant en arrière si vous le souhaitez. Tenez-vous bien droit. Encore 4, 3, 2, on tape en croisant le pied droit va à gauche, le pied gauche à droite. Ok, super. Yeah. Encore 4, 3, 2, marchez, levez les bras, inspirez, monte. Et souffle. Encore, monte. Descends encore deux fois, on reprend ensuite en tapant devant. Allez, c'est bien. Inspirez, soufflez, tapez devant. Hop, hop. Vous pouvez claquer les doigts si vous avez envie. 4, 3, 2, 1, croisé. Hop, hop. Toujours épaules basses, tête haute. Montez les bras en inspirant. Et hop. Et encore. Monte. Allez, encore deux fois. On essaie d'allonger les bras sur les côtés. Vers le haut, une dernière fois. On reprend devant en tapant. Hop, hop. Et croisez. 4, 3, 2, devant. 4. Dernière fois en croisant. 4, 3, 2, on marche. Ok, à la place de marcher, vous allez ensuite lever un genou après l'autre. Tout tranquillement. Pour le moment, on marche. Déroulez bien vos chevilles, soyez énergiques. Bas du corps, haut du corps. 4, 3, 2, on lève. 3, gauche. Allongez bien votre dos. Essayez de resserrer vos omoplates. Ok, on allonge le cou, mais toujours en regardant assez loin devant soi. 4, 3, 2, en levant un bras. Reposé. Hop, hop. Énergique, monte, monte. Pouh! Encore 4. J'espère que vous vous amusez autant que moi. Hop. Continuez, mais en sautillant si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas avec le bras et le sautiller, vous continuez de sautiller sans le bras. Ou l'inverse, vous montez le bras, mais vous arrêtez de sautiller. Wouhou. Hop. Ok, marchez. Droite, droite. Allez, on déroule les chevilles. On reprendra ensuite en montant les genoux à l'identique avec un bras. Prêt? 4, 3, 2, c'est parti, on lève le bras et le genou. Opposé. Hop, hop. Monte, monte. Et épaule basse. Encore 4, 3. Allongez bien votre bras. 4, 3, 2, en sautillant. Ouh. Allez. Et comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de sautiller. Vous faites la deuxième série à l'identique. 4. Contractez bien votre périnée. Allongez toute la colonne vertébrale. Et marchez. Ok. On marche jambes écartées. Allez, tout en déroulant bien les chevilles. Et 4. 3. 4. 3. On tape au sol un bras devant. Bras gauche. Puis droit. Épaule basse. Allez, super. 4. Pliez bien vos genoux vers l'extérieur. 4. 3. 2. Vers le haut. En haut. Inclinaison latérale. On va chercher loin. Hop. Hop. Allez, super. Et 4. Énergie. 3. 2. Pour poursuivre l'échauffement du bas du corps, talons fesses. Et 1. Hop. Hop. Allez, souple sur la jambe d'appui. J'espère que vous commencez à vous réchauffer. On souffle bien. 4, 3, 2, reprends ta pente en haut. En haut, en haut, en haut. Encore. 4, 3, 2, talon fesse, tapis up. Hop, hop. Talon droit, fesse droite, tapis gauche, fesse gauche. On tape au sol en haut. 4, 3, 2, tapis up. 4, 3, 2, un bras en haut, tape au sol.
Bah oui, on en a besoin. Pourquoi? Pour échauffer les quadriceps. On continue de se grandir. 4, 3. Resserrez les pieds, montez les bras sur les côtés. Monte, descend, monte. Encore. Hop, épaules basses. Encore 4, 3. Vous allez passer les bras de côté à devant. C'est parti. Côté, devant. Côté, devant. Encore. Attention, quand vous amenez les bras sur les côtés, continuez de vous grandir. Ne laissez pas passer les bras derrière. Gardez les bras devant, fléchissez les coudes. On plie, on allonge. On plie. Au moment où vous pliez les coudes, poussez bien les paumes de main l'une contre l'autre. 4, 3, 2. On va amener les deux bras vers le haut. Et 1, descend. 2, toujours épaules basses. 3, 4. Soufflez bien, allongez le dos. 4, 3. Allez, on pousse les mains l'une contre l'autre. Pour le prochain exercice, prenez votre chaise et votre bonne humeur. On y va. Ok. On appuie sur la chaise, les paumes de main posées, on soulève le bassin et on fléchit les coudes. Chacun va à son rythme pour ce premier exercice. On souffle en remontant, tête dégagée des épaules. Je vous ai pas dit, mais la séance risque d'être un peu dure. Donc après, c'est vraiment à votre rythme. Si au bout de 30 secondes, vous trouvez cela difficile, vous vous arrêterez avant. Les épaules sont au-dessus des mains et les coudes vers l'arrière. Ok, soufflez en remontant. Si c'est trop facile, vous pouvez lever vos pieds sur une autre chaise ou prendre appui sur un seul pied. Encore. Allez. On va jusqu'au bout. Ok, encore. Youhou. Allez. On aura ensuite 15 secondes pour se reposer. Juste le temps que je vous explique le deuxième exercice. Et relâchez un instant. Deuxième exercice. Squat, jambes écartées. N'importe quoi, squat, pieds parallèles. Écartez-vous à la largeur du bassin. On peut sauter si on veut, c'est parti. Allez, 2. En sautant, ça fait ça. Ok. Dès que vous sautez, cherchez à vous grandir. Engagez votre périnée. Allongez le dos. Encore. Chacun choisit. On continue. Amortissez, point de pied, talon. Hop. Super. Fixez bien vos omoplates et vos bras vers là, sur les côtés, vers l'arrière, légèrement. Allez, ça commence à chauffer dans les cuisses. On pousse bien les fesses vers l'arrière. Tête dégagée des épaules. Allez, comme tout à l'heure, si une minute c'est trop long, à vous de choisir. Et sinon, vous repartez sur des squats. Ouais, vous êtes super. Allez, et relâchez un instant. Troisième exercice. Pompe. Main sur les pieds ou au sol. Genoux ou à genoux sur les pieds. Allez, on se prépare. Allez, c'est parti. Voyez, pas forcément très très vite. On allonge le bas du dos. On allonge le cou. Et on souffle en remontant. Contractez votre périnée, serrez les abdos. Allez, allez, super. Et si ça devient trop dur, vous faites des plus petites pompes. Ou autrement, vous pouvez prendre le choix de les faire à genoux. Encore. Coude sur l'extérieur. Tête dans le prolongement du corps. Ok. Allez, on est presque terminé. Encore. Relâchez un instant. Prochain exercice. Ok. On court avec les jambes tendues sur les côtés.
Un peu de cardio, ça fait pas de mal. Et c'est bon pour vos cuisses et vos fessiers. Allez, allez, encore quelques instants. Super. À la fin de cet exercice, on va faire une série de gainages. On appuie sur les mains ou sur les avant-bras. D'ailleurs, ce sera mieux sur les mains. Sauf si vous mettez les avant-bras ici. Main au sol. Genou vers la poitrine, je vous montre. Genou, genou. Épaule toujours au-dessus des mains. Ou éventuellement avant-bras sur la chaise. Et genou vers la chaise, c'est parti. Chacun choisit la position dans laquelle il va être le mieux installé. Allez loin avec vos talons et loin avec votre tête. On engage le périnée, on serre ses côtes. Soyez actifs dans vos bras. Allez, n'oubliez pas de souffler. Allongez le bas de votre dos. Super, allez, allez, c'est super ça. Vous avez chaud? Vous êtes bien? Ok, encore. Encore quelques secondes. Et je vous expliquerai le prochain exercice. Allez, allez. Ok. Debout. Jumping jack. Vous le sentez celui-là, hein? Jumping jack, on écarte et on resserre. Genoux toujours pliés. Prêt? C'est parti. Chacun va à son rythme. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire en écartant. Droite, gauche, droite, gauche. Vous pouvez aussi commencer avec le pied gauche. Mais en tout cas, c'est toujours genou en ouverture. Genou bien plié. Et on allonge le dos. Allez. Genou fléchi ici, mais là aussi. En ouverture sur les côtés et la pied parallèle. Allez, allez, ça chauffe. Fessiers aussi. Pour ça, il faut bien pousser les fesses vers l'arrière et serrer les fessiers en remontant. Engagez le périnée, grandissez-vous. Allez, allongez aussi votre cou. J'espère que vous avez aussi chaud que moi. Allez, c'est presque fini. On continue. Allez. Et relâchez un instant. Prochain exercice, gainage. Et là, soit on appuie sur les mains au sol ou les avant-bras. Vous amenez une jambe après l'autre sur le côté. C'est parti. Allez, reculez bien vos talons. Contractez votre périnée. Allongez votre dos. Et n'oubliez pas de respirer. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une très très grande hauteur des jambes. Le principal, c'est la position de votre dos. Allez, on allonge le cou, on serre les abdos, j'espère que vous allez bien. Allez, encore quelques instants. Vous posez les genoux, vous relâchez un petit peu et vous reprenez. Encore quelques secondes. Et relâchez. On reprendra en courant, jambes sur les côtés tendus. Allez, c'est parti. Allongez bien le dos. On a une dernière minute comme ça. Allez. Après, vous irez voir un coup. Et on verra ce qu'on va faire.
Troisième exercice. Pompe. Non. Gainage grimpeur. Main au sol. Ou sur la chaise. Ou avant-bras. Allez, genoux à la poitrine. Reculez bien votre talon. Maintenez votre cou allongé. Reculez toujours votre talon. Les épaules au-dessus de vos poignets. Carte de tour, reprend. Inspire. Et souffle.
tour. Côté gauche, on plie bien la jambe gauche, on tend la jambe droite. Ok, montez vos deux bras, restez. Allongez les bras dans le prolongement de votre dos. Relâchez, quart de tour, ouvrez les bras sur les côtés, inspirez. Soufflez, allez chercher loin. Ok, et on refait. Montez les bras, c'est en souffle. Ok, inspire. Étire, va chercher encore plus loin. Et monte. Et souffle. Inspire. Et relâche. Ok, vous allez prendre l'appui sur votre jambe gauche et venir placer votre cheville droite sur la cuisse. Poussez les fesses vers l'arrière. On maintient encore quelques instants cette position. Vous pouvez vous appuyer sur votre chaise, croiser cette jambe par-dessus, gardez les mains sur la taille, penchez-vous en avant, à l'oblique ou à l'horizontale, en gardant la jambe gauche tendue. On se redresse, on incline le corps côté droit. Redressez-vous, prenez appui sur votre jambe droite, placez la cheville gauche sur la cuisse. Pliez la jambe d'appui, poussez les fesses vers l'arrière. Allez, encore quelques secondes. Croisez la jambe par-dessus, placez les mains sur la taille, poussez les fesses en arrière, dos le plus allongé possible. Regardez devant vous à 2 mètres. On se redresse, on incline côté gauche. On allonge tout son corps. Et on revient. Inspire. Soufflez, allez chercher loin. Monte. Et soufflez. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une deuxième fois cette partie de stretching. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.